Plus de 2 millions de personnes sont atteintes d'une insuffisance rénale dans le monde. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du rein, nous découvrirons les difficultés que rencontrent des dialysés. Premier conseil des ministres après une longue période d'interruption. Niamien Kona remplace Cissé Bakongo au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cissé Bakongo, lui, occupe le portefeuille du ministère de la Fonction publique. Et puis Angela Merkel, la chancelière allemande, met en garde à Moscou contre de graves conséquences à long terme concernant l'Ukraine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Il n'est pas du tout facile de vivre avec un rein malade. Les séances de dialyse douloureuses réduisent la capacité motrice des malades, des désagréments qui peuvent mettre en péril le travail de ces personnes. La vie d'une dialysée relatée ici par Laetitia Mangli. Un peu plus de 15 heures cet après-midi. Difficile à cette heure de supporter les rayons du soleil, mais encore plus pénible pour Akuba. La vingtaine révolue et frêle d'apparence, la jeune fille à bout de force tente de rejoindre son domicile après une séance de dialyse. Elle est contrainte à ce lourd traitement depuis 2012, date à laquelle l'insuffisance rénale, le mal dont elle souffre, lui a été révélée. Je dormais à 2 heures du matin, il a piqué la crise. Je n'arrivais pas à respirer. Mon père m'a relevé, m'a mis dans une chaise, il a essayé de me faire respirer un peu. C'est dans ça qu'on est parti à l'hôpital. L'insuffisance rénale est l'arrêt définitif du fonctionnement des reins. Cependant, la maladie n'est pas une fatalité. Il existe comme moyen de substitution à l'organe rein, la dialyse qui consiste à épurer le sang de façon artificielle et aussi la transplantation rénale qui a permis à ce jour à près d'une dizaine d'Ivoiriens de vivre à nouveau avec un rein sain. La transplantation a commencé l'équipe de l'Institut de cardiologie. Actuellement, il y a 8 patients qui ont été transplantés à partir de donneurs vivants en Côte d'Ivoire. Ah oui, se porte bien. Des solutions de plus en plus vulgarisées en Côte d'Ivoire, mais dont les coûts restent encore peu supportables pour certains malades. Le médicament de tension seulement coûte 20 000. Tu dois prendre un médicament de calcium, il y a un médicament qui coûte 40 000. Il y a l'équipe de dialyse, c'est 1 700. Mais pour une personne qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, ce n'est pas évident. Qu'en est-il alors de la médecine traditionnelle dans le traitement de l'insuffisance rénale? Jusque-là, pas encore de remède pour remettre en état les reins endommagés, mais plutôt des solutions pour rendre plus résistant le malade d'insuffisance rénale. Notre remontant est très bon pour le dialyser, qui le prend et qui se renforce, et qui peut se vaquer le lendemain après le dialyse à ses activités. En plus des soins de santé à la charge du dialysé, il faut aussi gérer le quotidien pas toujours évident pour les malades et leur entourage. Vie professionnelle, vie de famille, rien ne serait plus pareil. Il y a des choses que tu ne dois pas manger, la banane, la sauce graine, la sauce arachide, tout ce qui est gras, tout ce qui a potassium dedans. Là, je viens de sortir d'une situation où la patronne... La Journée mondiale du rein célébrée aujourd'hui, 13 mars. Cette journée vise à sensibiliser le grand public sur le danger que représentent les maladies rénales. Alimentation déséquilibrée, sédentarité sont des facteurs aggravants de l'insuffisance rénale. Le thème retenu cette année, maladies rénales et vieillissement, des campagnes de sensibilisation et des dépistages sont prévues. Le reportage de Maïa Sako. Avec environ 600 millions de personnes affectées dans le monde selon des chiffres officiels, les maladies rénales constituent un véritable problème de santé publique. La structure anatomique et le fonctionnement du rein sont modifiés par des maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète et certaines infections. Le thème de la Journée mondiale du rein 2014, maladies rénales et vieillissement, illustre bien cette appréhension liée aux interactions entre de multiples pathologies et altérations fonctionnelles liées à l'âge. En Côte d'Ivoire, 4 greffes rénales ont été réalisées depuis 2012 et 500 patients sont traités par hémodialyse, dont plus de la moitié dans les 3 centres publics du SAMU et des centres hospitaliers universitaires de Trècheville et de Yopougon. Pour accompagner les malades dialysés, le gouvernement a mis en place une subvention, ramenant le coût des séances de dialyse dans le public de 2500 francs CFA à 1750 francs CFA, soit une réduction de 30%.
En vue du renforcement des capacités des centres publics, deux nouveaux centres de dialyse ont vu le jour à Boaké et à Yamoussoukro. Deux autres centres devraient ouvrir leurs portes d'ici fin 2014 à Gagnoa et San Pedro. Pour sensibiliser les populations à l'offre des services de prise en charge, le gouvernement ivoirien lance un appel à la mobilisation. Qu'à l'occasion de cette commémoration de la Journée mondiale du Rhin 2014, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida organise le jeudi 13 mars, dans les communes de Port-Boué et du Plateau, des campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuits de la maladie rénale pour le grand public. Léger réaménagement technique du gouvernement lors du premier conseil des ministres après une période d'interruption. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ibrahim Cissé Bakongo, hérite désormais du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, dont le titulaire, Nyamien Konan, devient le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et puis sachez qu'après les présidents du Burkina Faso et du Bénin, le président John Dramani du Ghana est attendu aujourd'hui même en Côte d'Ivoire. Des salles de classe décoiffées, insuffisance criant de table, banc inexistance, deux toilettes, celle des corps qu'offrent les deux écoles primaires de Moronou dans le département de Toumodi. Des difficultés qu'enseignants et élèves tentent de transcender. Grâce Kando revient de Moronou. Des élèves assis à quatre, parfois à cinq sur un même table-banc. D'autres couchés à même le sol. Tous ont le même objectif à atteindre, mieux distinguer les lettres sur ce qui reste du tableau. Nous sommes à l'école primaire publique Moronou 1 dans le département de Toumodi. Quand on écrit, les élèves ont du mal à voir. Donc ils sont obligés de venir se coucher pour pouvoir copier le coup. Il y a un même qui est venu s'asseoir une fois ici pour dire « Madame, je ne vois pas ». Donc c'est vraiment difficile. Que des difficultés dans cette école créée en 1959. 56 ans d'existence, l'école primaire publique Moronou 1 dans le département de Toumodi croule sous le poids de l'âge. Insuffisance d'infrastructures, absence de toilettes, des classes à ciel ouvert. À ce lot de difficultés s'ajoute le problème de conservation des archives de l'école. Les toits sont vraiment troués. Si aux environs de 10h, 11h, ça veut dire que le soleil rentre. Je suis obligé de mettre les enfants vraiment d'un seul côté, travailler avec eux. S'il y a la pluie rentre même. Là, on n'y peut rien. Les documents élèves, les documents du personnel enseignant se trouvent dans l'une de mes chambres. J'ai transformé une de mes chambres en magasin. Autre préoccupation, les deux écoles primaires publiques de Moronou n'ont pas de clôture. Ces cantines de fortune ne sont plus fonctionnelles depuis un mois. Ça fait un mois qu'on n'a plus de vivres. Donc nous sommes obligés d'attendre. Le véritable problème que nous avons, c'est le problème de clôture. Ça fait que à toute heure, les gens passent, les villageois passent à moto, à vélo, dans la cour de l'école. Ça nous pose vraiment souvent des désagréments. Nous, tant que je parle, il y a une voiture qui traverse la cour de l'école. Et c'est à ce problème que nous sommes confrontés. Enseignants et élèves des écoles primaires publiques de Moronou 1 et 2 espèrent la réhabilitation et l'équipement de leurs établissements qui ont formé bien le cadre du département. En culture, dédicace du recueil de 213 pages, Contes et légendes de Silvio et Patrice, un ouvrage qui met en exergue la tradition en pays sénoufo dans le nord de la Côte d'Ivoire. Un exercice qui vise à faire comprendre l'art du conte aux apprenants. Franck Wadio nous en dit plus. Des paroles du recueil Contes et légendes de la savane, bu à satiété par Adja, élève en classe de 4e. Et sur l'estrade, un griot conteur qui chante à quelques lignes du nouvel ouvrage de Siloué Nanzoa Patrice. Universitaire et professeur de sciences physiques, il s'invite dans l'univers littéraire. Le motif tient en peu de mots. La paix est possible dans le monde. On peut construire ensemble un monde de paix. La tradition orale pour parler de paix. L'auteur met en parallèle 16 contes. L'œuvre se veut un outil de loisir, mais surtout un instrument dialectique. Un choix soutenu par le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Camara. La lecture de ces textes aidera certainement nos enfants à se préparer à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, à se forger un esprit de compréhension et de tolérance, à cultiver la paix en respectant les autres et leurs différences.
213 pages de comptes et de travaux dirigés. Ces élèves, amoureux de l'oralité, apprécient, mais voudraient bien voir le conte mieux vulgarisé. J'aimerais que dans nos programmes scolaires, ils puissent avoir beaucoup de contes pour que nous puissions plus apprendre. Le conte, tout comme le théâtre et la poésie, des genres littéraires qu'explorent de plus en plus de nouveaux auteurs. Le nouveau ministre nigérian de la Défense rend sa lettre de démission une semaine après sa nomination. À l'origine de la démission du ministre de la Défense, une incompréhension entre lui et le chef d'état-major de l'armée. Ce dernier se serait présenté seul à la réunion convoquée au nom de ses collègues au lieu de toute la hiérarchie de l'armée. Et puis le premier ministre libyen Ali Zeidan a été démis de ses fonctions par le Parlement à l'issue d'un long bras de fer entre l'exécutif et le législatif qui a quasiment paralysé le pays. L'homme se serait réfugié en Allemagne. Le ministre de la Défense assure l'intérim avant de prochaines élections qui auront lieu dans un délai de 2 semaines. Le Parlement libyen a demandé mardi la démission du Premier ministre Ali Zeidan. Une majorité de 120 députés a estimé qu'il avait manqué à ses devoirs en laissant s'échapper le tanker nord-coréen avec une cargaison illégale de pétrole libyen. Le pétrolier a pu rejoindre mardi les eaux internationales sans avoir été arraisonné par la marine libyenne. Ali Zeidan, en fuite, a pris un vol pour Malte, d'où il devait rejoindre l'Allemagne. Le Parlement a démis M. Al-Zeidan de son poste de Premier ministre. Il sera remplacé pour une durée de 2 semaines par l'actuel ministre de la Défense, M. Abdullah Al-Thani. Dès sa prise de fonction, le nouveau Premier ministre, Abdullah Al-Thani, a décidé l'envoi de forces armées pour reprendre possession des terminaux pétroliers tenus par les rebelles. Les autonomistes de l'Est libyen ont depuis août provoqué les autorités centrales en formant un gouvernement provisoire et une compagnie pétrolière autonome. Mais la livraison illégale de pétrole aux tankers battant pavillon nord-coréen a précipité les choses. La confusion est totale en Libye, où les groupes autonomistes de la Cyrénaïque ont promis une ferme riposte en cas d'attaque. Le mystère qui entoure la disparition du Boeing 777 de la Malaysia Airlines, toujours introuvable 5 jours après son décollage de Kuala Lumpur, reste entier. Il s'est même épaissi après les témoignages de proches de passagers rapportant que leur téléphone portable a sonné encore. Le désespoir est tel que c'est au chaman que les Malaisiens ont pensé. Une cérémonie pour rappeler le vol MH370 organisé mercredi dans l'aéroport de Kuala Lumpur. Depuis 5 jours, aucune nouvelle du Boeing 777 de la Malaysia Airlines et des 239 personnes à bord. Un cas rarissime lors d'une catastrophe aérienne. Une dizaine de pays ont lancé vaisseaux et avions en vain. Une personne peut survivre dans l'eau pendant 72 heures au moins avec beaucoup de volonté. Un être humain peut survivre sans eau ni nourriture s'il est déterminé à survivre. Mais après cette période, les chances de survie sont de plus en plus faibles et nous en sommes là. Au départ, la zone de recherche s'étendait autour du dernier point de contact avec le Boeing. Peu à peu, elle s'élargit et couvre maintenant des centaines de kilomètres loin du trajet initial de l'appareil. Quand on regarde les enregistrements, ils prouvent que cet appareil a pu faire demi-tour. Mais nous ne sommes pas sûrs qu'il s'agisse bien du même appareil. En tout cas, il était à ce moment-là dans la zone d'où nous est parvenu le signal sur l'écran radar qu'un avion faisait demi-tour. Le discours est confus. Les autorités malaisiennes semblent dépassées par la crise. La Chine, qui avait 153 ressortissants à bord, se fait de plus en plus critique, tout comme les familles, maintenues dans l'angoisse faute d'éléments concrets. La première chose à savoir, c'est où est cet avion? Et puis aussi, quels sont les efforts qui sont faits pour retrouver les débris de cet appareil? Il a juste disparu de la surface de la Terre. Si on pouvait juste retrouver des morceaux de l'épave ou autre chose, ça nous aiderait. Des satellites d'observation de la Terre ont été détournés de leur mission pour renforcer les recherches. La Malaisie promet de trouver ce qui est arrivé au vol MH370.
Les autorités malaisiennes ont démenti aujourd'hui que le Boeing 777 de Malaysia Airlines ait poursuivi sa course pendant plusieurs heures après la perte de contact samedi. Les larges objets flottants détectés par un satellite chinois ne sont pas les débris du vol MH370, selon le ministre malaisien des Transports. Fin de ce journal. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30. Portez-vous bien.